Tout d'abord, on salue M. Bessapio, puisque nous connaissons que gain base 400 Maozo, il y a l'ordre pour déçu population, pour faire abus. Eh bien, dans ce sens, ça, Bessap, eh bien, éliminé Yuna de Ola, pour ne pas dire plusieurs, agents Bessapio qui voyaient dans le pays sans chapeau. Plusieurs agents, excusez-moi, petit monsieur Base 400 Maozo, évidemment, nous pourrons avoir plus de détails dans quelques minutes. Et c'est très très important, nous disons déjà bravo, ça fait nous plaisir. Pour nous, Bessap qui commence à éliminer bandits ça, effectivement, nous allons avoir plus de détails. Et puis, au-delà de ça, mesdames, messieurs, nous avons commencé à parler de ça, nous avons demandé ça, nous avons demandé la police camper avec la population. Et bien là, nous avons plusieurs policiers qui commençaient à détacher de l'équipe Ariel là. Qui ça veut dire, mesdames, messieurs? La police, nous avons commencé à détacher de gangs qui relaient Ariel. Évidemment, nous pourrons détailler pour vous dans quelques secondes. Mais au-delà de ça, mesdames, messieurs, et bien nous avons un système là. Système pourritu ça. Système malouk ça. Nous, un système là, justement, à jouer là. Il a essayé de faire diversion. En pile diversion à faire dans le dossier président Jovenel là, nous avons même ouvrir les yeux, mesdames, messieurs, parce que le système ça tellement grave. Il a essayé de faire victime. Il a essayé de faire ou même qui est victime, il faut passer pour bourreau. Donc, ouvrez yeux nous, parce que vous regardez toutes ces semaines là, tout début de trois jours là, il a attaqué innocent pour faire commencer yo coupable. Attention. Évidemment, nous allons voir plus de détails, mais au-delà de ça, eh bien, nous saluons plusieurs amis africains. L'Afrique chérie, nous disons bonjour, bienvenue l'Afrique, bonsoir l'Afrique. Oui, là nous parlons de l'Afrique, nous parlons justement le continent, plusieurs pays en Afrique, nous qui comprennent, jouer là. Que ce soit nous un pays Kenya, il a mis Kenya devant pour venir craser Haïti, pour venir faire génocide. Mesdames, messieurs, un pays africain comprenne qui dit ça pas normal. Nous même peuple haïtien pour dire pour tissi là pour comprendre. Eh bien, en jeu qui est là, les autres dit a fait une Claude Goumé, une Claude déchirant. Eh bien, c'est exactement ça. Qu'on a là, il besoin mettre Kenya devant pour faire nous une Goumé à Claude. Monsieur Kenya, ça on a une posé. Eh bien, bon déjà saluer Amalik puis là, nous, monsieur. Comment nous y est? Nous partons où là? Haïti était en plaque tournante pour eux parce que Abinader tout cap attaquer nous, c'est parce que lui ouais que si on déstabilise nous, si on mette main mise sur ressources nous, lui même qui pague aucun ressource parce que espagnol de 1503 à nos jours, ils ont exploité tout de 1492 à nos jours, ils ont exploité tout sous-sol qui est parti l'est ziléa. Abinader tout en tant que si au Libanais dominicain, lui ouais jouait là bon pour lui. Donc, ça, il a essayé de provoquer nous, passer sous territoire maritime nous, passer sous territoire céleste nous, mais mettez l'armée dans la frontière pour provoquer nous, pour effectivement justifier sa relève occupation de ressources, nos occupations de territoire pays d'Haïti. Donc c'est tout jeu géopolitique ça qu'a joué, c'est tout jeu géostratégie ça qu'a joué, et peuple la campé en bois calé légitime défense. Bonjour Dimitri, bonjour Malik, bonjour tout auditeur, auditrice, Sanel, mon affaire bon TV, encore une fois nous comptons dans les salles pour nous capables d'entrer la caillou, dans ce pour nous continuer à informer de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti et pourquoi pas dans le reste du monde. Là. Et avant que nous entrions avec Amalik, Dimitri, nous sommes là, et bien, Bessap frappé là, Dimitri, Bessap décidé, mais sous que col, Bessap, et bien, voyez, environ dans le pays de Japon, il y a un bandit là, qui était débarqué dans le département Satlan, les gangs 400 Maozo qui envahissent son cheval dans la commune Mibale, Dimitri, et bien, Bessap fait mort là, côté que nous avons bandit au point Bois-Calais, et nous avons la police dans la journée avant hier 19 février. Il y a deux reprises de bandits, la police touillée au niveau du département centre. La police a dit qu'il n'y a pas pour mettre le département centre dans les bandits 400 Maozo. Jean-Ariel voulait faire là. Mais si vous avez l'information, nous avons également. Il y a un poté bourré là, une grosse division là qui gagne dans la police. La police qui campait contre Ariel, la police qui décide d'y avancer dans le camp là, la police qui décide d'y corriger, on a parlé d'unités spécialisées, IDMO, CIMO, et bien Dimitri, côté Ariel, c'est comme utiliser eux. Pour faire albay gaz, al tirer la barrière de l'obligation, et bien, nous avons dit dans le département nord, dans le département nord, la dimension au gros levé campé là, et bien, plus qu'il est là, déposé contre même France LB, qui s'est dit qu'il y a la police là, et bien, Dimitri, dans le jour qu'il y a là, la police sera levé campé contre Ariel, par la Mangomé là, par la sortie du nom de France LB, Ariel Henry, et bien, quand il y a un pile policier là, commence à concerter
pour porter bruit contre Ariel, ou capable d'un jour comme là, gros mouvement capable fait dans la rue là, contre Ariel Henry, contre France B. Nous saluons Malik. Eh bien, ma salue nous tous, Salomon, Léonel, Pradel, Jimmy Nix, tout auditeur du TIS Capcan de nous à travers le monde, dans MAB TV, mon affaire bon Dieu. Alors, c'est exactement ça, monsieur, nous bien brosser réalité à là, parce que réalité à ce que groupe criminel cannibale américain occidental impérialiste là, il pas son consensus, il kembe là, il était contique, il kembe là avec Ariel. Bien que nous voyons que il y a un pile pays, ni en Afrique, ni dans la communauté internationale là, bon, nous ne pouvons pas pour Calcom, nous ne pouvons pas pour l'OEA, mais nous voyons que l'Afrique, justement, a dénoncé ce qui a passé là, parce que nous voyons que ça que l'impérialisme occidental a fait, c'est diviser les nègres pour l'oreiller, c'est faire nègres à tuer nègres pour l'oreiller. Donc, qui est-ce qui kembe Ariel là? C'est force gagnée d'abord, force gagnée qui est Ariel là, parce que nous finissons par découvrir que Ariel son chef ganglier, et puis c'est oligarque corrompu, et puis un groupe. Donc, pas groupe lui-même, son groupe spécial qui, effectivement, garde des bagailles plus en Amérique du Nord, où on a un groupe criminel cannibale américain occidental là, c'est monsieur formé comme groupe pour nous là, dans le Canada, pour effectivement, il y a une vision sous ce pays d'Haïti, fait nous pas chamblier que M. Kogout Sayo là pour exploiter sous ce pays là, qui c'est mine, puis pétrole, avec gisement gaz, qui c'est richesse ressources peuple haïtien, qui a fait que si nous exploitons ressources Sayo avec ressources agricoles, production. Et pour production qui pas OGM, c'est-à-dire production de production qui saine, à ce moment-là, Haïti a bien gagné une force économique extraordinaire dans le Caraïbes et dans le monde entier. Donc, ça nous pas oublier toutes mes mises ça et toutes mes bases ça et sous pays d'Haïti, c'est parce que nous gagnons ressources. Moun pas rentrer dans le pays moun pour ça qu'ils n'ont pas gagné intérêt. Parce que comme groupe qui c'est le Canada, les États-Unis en tête et la France, c'est parce que ce qui fait au fond des groupes, ça, c'est parce qu'ils ont son groupe d'intérêt qui l'a et qui effectivement a divisé le peuple haïtien. Qu'on est à force qui est à Ariel, nous, elle clair, c'est gang. Et puis nous avons un bon policier qui parle. Rentrer dans l'histoire ça, a quitté France LB avec Ariel. Donc, comme par exemple Ariel, c'est force la vitrine là, c'est escadron de la mort, c'est attaquer la population haïtienne, hein, comme nous déjà connaissons déjà, et puis faire moun yo quitter caillou, vous comprenez, et puis créer insécurité, créer kidnapping pour l'équilibrer pouvoir, pour diviser la population, théoriser la population, pour l'équilibrer pouvoir. Avec justement groupe Sayo qui a financé lui, qui c'est groupe et oligarque corrompu qui est en train. Donc ça, pour le peuple à faire, c'est justement rentrer tout policier Sayo, reformer, rentrer dans le SAP pour que les peuples ou le compresseur a marché pour Ariel, a marché dans Primatia, après marché dans l'ambassade, ambassade des États-Unis d'abord, ambassade de France et du Canada, pour dire assez, c'est assez, nous comprenons le jouet là, et que ce quatre là au bat, c'est que diplomates sont capables de fourrer bouchio dans l'affaire interne haïtienne pour retourner sur la caillou, pour aller réfléchir, et puis pour comprendre que nous vivons nos mondes multiples polaires. En manquant l'Occident, n'a point le midi. En manquant le midi, n'a point l'Orient. Parce que nous vivons dans un monde multipolaire, côté que le monde s'est organisé à travers BRICS, et nous voyons que l'Afrique tourne à travers trois grands pays, qui c'est Burkina Faso, qui c'est le Mali et le Niger, l'autre pays encore qui pourrait repousser l'Occident, groupe criminel cannibale américain occidental, impérialiste international là.